Salut, je suis Hélène Faradji. Bienvenue dans Cinéma x3. Le principe, c'est simple. Tous les mois, rendez-vous sur le blog d'ICI Art TV pour découvrir trois coups de cœur cinéma. Le premier dans la programmation d'ICI Art TV, le deuxième en salle et le troisième, c'est une surprise. Le 14 octobre à 21h, je vous donne rendez-vous sur les ondes d'ICI Art TV pour découvrir Moon, le premier film réalisé par Duncan Jones en 2009. Dans Moon, on nous raconte l'histoire de Sam Bell, un astronaute qui vit tout seul sur la Lune depuis 3 ans pour superviser des puits de forage. Sa seule compagnie, un robot qui a la voix de Kevin Spacey. Dans Moon, il y a des touches de 2001, l'Odyssée de l'espace, des touches de Blade Runner, des touches de THX 1138, mais surtout, il y a de la science-fiction à l'ancienne, intelligente, stimulante, qui nous parle du futur pour mieux nous parler d'aujourd'hui. En salle, au mois d'octobre, vous n'y échapperez pas. Il faudra aller découvrir Blade Runner 2049 du cinéaste québécois Denis Villeneuve et suite donnée au cultissime Blade Runner réalisé par Ridley Scott en 1982. Un réplicant traqué qui cherche Rick Deckard et qui a les traits de Ryan Gosling, un scénario du scénariste original de Blade Runner, Hampton Fancher, une direction photo signée Roger Deakins, le directeur photo que Denis Villeneuve partage avec les frères Coen, une interdiction du film aux moins de 17 ans aux États-Unis, c'est sûr, on sera au rendez-vous le 6 octobre pour découvrir Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Le 28 octobre, on fête la Journée mondiale du cinéma d'animation. Et au Québec, on est fort, même très fort, en cinéma d'animation, grâce à l'Office national du film. Alors mon troisième coup de cœur, je le donne au site de l'ONF, onf.ca, sur lequel vous pourrez découvrir la plupart des films produits par le studio français d'animation. Entre autres, vous pourrez voir « Vaïcha l'aveugle » de Théodore Ouchef. Ou encore, le tout récent et très rigolo, La pureté de l'enfance de la bédéiste Sviane. Cinéma x3, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour trois nouveaux coups de cœur cinéma sur le blog d'ICI Art TV.